Et là, regarde, 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 regarde. C'est à ce moment-là qu'il est rentré dans la chambre comme ça. Regarde, on voit son visage. Et là, il est rentré dans la chambre de Lily Rose et il a voulu tous nous attraper. Mais non. Regarde, si. Heureusement, j'ai réussi à l'avoir avec un piège comme ça. J'avais mis une corde. Non, mais c'est incroyable. Regarde son visage, comment il fait peur. Mais c'est pas possible. C'est l'homme araignée. Il fait trop peur, oh non. Mais c'est l'homme araignée. Et il est parti comment, du coup, cet homme araignée? On sait pas comment il est parti. Moi, j'ai réussi à le piéger. Sauf qu'après, il a réussi à s'enfuir. Regardez, les amis, ce visage terrifiant comme ça. Et depuis qu'il est arrivé, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours... Oh, regardez mon visage, comment j'ai peur. Ça fait 2 jours qu'il est venu. Et ça fait 2 jours avec Lily Rose qu'on a trop peur qu'il revienne. Oh non. Mais toi, ce jour-là, t'étais pas là. Bah oui, j'étais pas là. Non, mais c'est pour ça, c'est pour ça que je voulais pas trop que tu viennes dormir à la maison. Parce que on sait pas où il est. Ça tombe, il est encore dans les parages. Et non, mais tu rigoles. Ça fait 2 nuits qu'on n'arrête pas d'entendre des bruits, qu'on n'arrête pas d'entendre des grincements. On retrouve des toiles d'araignée un peu partout chez nous. Parce que oui, c'est l'homme araignée. On l'a appelé l'homme araignée parce qu'il se balade à 4 pattes et il mord un peu les gens comme ça. Après, on a des marques rouges et on devient fou. Non mais c'est bon, je m'en vais en fait. Attends, je suis dedans. C'est quoi ça? Attends, je vais couper la télé. Ça tombe, ça va nous porter malheur. Je sais pas si vous avez entendu, les amis, il y a eu un gros boom. Elle est où la télécommande? Elle est ici, c'est bon. C'est bon, je vais couper ça. Bon, les amis, on va couper la télé. Et on va aller voir ce qui se passe en haut parce que je suis sûr que le bruit ça venait d'en haut. Non, en plus, j'ai promis. Non, mais tu peux pas rentrer chez toi, il est trop tard. Ok? Maintenant, si on le voit, si on le revoit, tu dois nous aider, d'accord? D'accord, d'accord. Bon, et avec Lily Rose, là en ce moment, on dort dans la même chambre. J'ai mis un matelas dans la chambre de Lily Rose parce qu'elle a trop peur de dormir toute seule. Je comprends, parce que c'est la première victime de l'homme araignée. Quand il est venu il y a 2 jours, Lily Rose, elle a été emmenée par l'homme araignée. Enfin bref, on n'a pas envie de vous raconter, c'était une catastrophe pour elle. Lily Rose, c'est moi, ouvre-moi la porte. Oh, ça tombe à la... C'est bon, elle a pas fermé la clé. Vite, viens. Okay. Pourquoi elle est dans le noir? Lily Rose, ça va? Ah! C'est une blague! Yeah. Il est de retour! Mais qu'est-ce que vous faites? Valentin, ça va? Valentin! Je vais vous penser! Oh non, 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 non! Vous m'avez piégé! La araignée! Valentin, mais pars! On part d'ici. Valentin, tu fais quoi? Valentin! Oh non, il est tétanisé! Il a trop peur! Ah, moi, je vais me cacher! Lily Rose, t'es où? Lily Rose! T'es passé où? Ah, c'est pas possible! C'est pas possible! Ah, j'ai peur qu'il y en ait plusieurs en plus! Imaginez s'il y a plusieurs hommes araignées chez nous! Oh là 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 là! Et Valentin qui s'est retrouvé tétanisé comme ça, il n'arrivait plus à bouger! C'est sûr qu'il va se faire attraper par l'homme araignée! Il va se faire mordre et tout! Oh, bah, moi, je vais me cacher dans la voiture! C'est ça qu'on avait prévu dans le plan, les amis! On s'était dit... Oh, et la lumière fonctionne plus ici! Oh, je vois plus rien! Eh oh! Lily Rose! T'as suivi le plan? Tu t'es caché dans la voiture ou pas? Lily Rose! Bon, en tout cas, moi, je me cache là, en espérant que ils ne me suivent pas et que Valentin me rejoigne. Lily Rose, t'es dans le coffre? Je vais essayer de l'appeler, les amis. Moi, ça va, je me suis caché dans la voiture qui est dans le garage. Normalement, ici, je peux m'enfermer. Hop, c'est bon. J'ai fermé la porte. Lily Rose? Ah, c'est bon. Peppa Pink! Peppa Pink! Vite, viens! Viens! Viens, 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 viens. Toi aussi, tu l'as vu? Punaise. Tu l'as vu? C'est horrible. Non. Mais Lily Rose, elle est où? Mais je sais pas. Et Valentin, tu l'as vu ou pas? Valentin, bah oui, il était derrière moi. Ah mais non, mais Valentin, c'est sûr qu'il était... Il était tétanisé. Il a plus bougé. Bon, écoute, là, j'étais en train d'appeler Lily Rose. C'est pour ça qu'il... Mais visiblement, ça répond pas. Attends. Non, 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 Jean. Allô? Lily Rose, allô? T'es où? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Attends, chut, chut, j'entends pas. Elle veut pas faire de bruit, je pense. Ok. Ok, d'accord. Fais pas de bruit, fais le moins de bruit possible. Il est de retour. Elle s'est cachée dans une armoire. Dans une armoire du... Oh non. Attends. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh non. Oh non, l'homme araignée. L'homme araignée. Non, 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 non. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, on fait quoi? Je sais pas, moi, on s'en va? Bah, on peut pas s'en aller. Faut même fermer les portes. Ok. Bon, moi, je reste ici. Je bouge pas, on fait quoi? T'as un plan ou pas? Non, non, le meilleur moyen c'est de rester ici et, okay. Et attendre bon, qu'il s'en aille. Les amis, ça va. Lirose me dit qu'elle est encore dans le placard, c'est bon. Je lui ai demandé de s'enfermer. Là, il faut aller sauver Valentin. Vite, et après, on revient tous s'enfermer. Et on revient plus. Tous s'enfermer ici, ok? Vite, on va profiter là, qui s'occupe. Vas-y. Moi, j'y vais. Vas-y. On y va tout doucement. Vas-y, allez, run. On court.
On court vite. Vite, il nous poursuit. Dépêche-toi, il a... Vite. Vite. J'ai pas les clés en plus. Personne ici, c'est bon. Lily-Rose, y'a personne là. Lily-Rose, elle est dans le placard du dressing. Elle est dans le placard du dressing. Vite, dépêche-toi. J'ai pas envie. Lily-Rose, ça va, t'es encore là-bas ou pas? Lily-Rose, viens, on va aller voir dans ma chambre. Je pense qu'elle est dans le dressing de ma chambre. On est obligé de sortir de la maison alors qu'on s'était dit personne ne sort de la maison. En plus, il y a des orages partout. Lily-Rose, t'es là? Lily-Rose? Lily-Rose? Attends, ma chambre? Qu'est-ce qu'elle a, ma chambre? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez le sol. On dirait qu'il y a comme de la toile d'araignée dessus. C'est quoi ça? La toile d'araignée? Mais oui, regarde. Regarde le sol. C'est comme de la toile. On dirait du plastique ou de la toile d'araignée. C'est de la toile d'araignée. Pourquoi il y a ça partout? Pourquoi il y a... Regardez les fils électriques comme ça, ils ont été tirés. C'est pas possible. Lily-Rose, t'es là? Lily-Rose? T'es ici? Oh, regarde! Le dressing! Il est rempli. Le dressing, il est rempli de... Oh, c'est pas possible, regardez la baignoire. Pareil, il y a comme plein de toiles d'araignées dessus. C'est l'homme araignée, c'est sûr. Il doit faire des toiles gigantesques comme ça. Il a tout recouvert en blanc. Bon, écoute, vite, on retourne dans la chambre de Lily-Rose. Ça tombe, elle est retournée par là. Allez, ouais, ça tombe. Il a voulu habiter dans ma chambre. Il m'a volé ma chambre, non mais je rêve. Allez, les amis, c'est parti. On est de retour dans la chambre de Lily-Rose. On va voir ce qui se passe. Et surtout, on va essayer de la retrouver le plus vite possible. Lily-Rose, t'es là? Lily, t'es ici? Ah, Valentin! Valentin? Ça va? Valentin? Ouais. Ah, bon là! Peppa Pig, viens voir! Qu'est-ce qui se passe? Viens voir, Valentin, il est là! Oh là là, il a l'air de pas être bien en tout cas! C'est quoi ça? Oh non! Il a les deux traces! Il a été piqué! Comment la dernière fois? Il a les deux traces de morsure de l'araignée! Vite, il s'est fait avoir, il faut le contrôler! Vite, prends du fil! Comme on avait fait la dernière fois! Il faut l'entourer! Tiens! Aide-moi! Fais-le tout seul, je dois tenir la caméra! Voilà. Les amis, on va l'entourer pour éviter qu'il devienne comme l'homme araignée. Stop, vite. Enroule-le. Bon, c'est bon, ok. Bon, écoute, on va le mettre dans les toilettes. On va l'enfermer dans les toilettes. Non, dans les toilettes. Dans une petite pièce, comme ça, il fera pas de bêtises. Allez, vas-y. Allez, dans les toilettes. Allez, voilà, on le laisse ici. Fais un bon nœud, comme ça, il peut pas s'échapper. Mets-lui la lumière. Vas-y, sors. Hop, non, c'est bon. Hop, je crois que on va fermer la clé. C'est bon. Il y a qu'à attendre maintenant. C'est bon. Bon, écoutez, les amis, nous, on va rester dans la chambre de Lily-Rose et on va voir s'il se passe des choses en plus. Allez, viens. Il faut que je retrouve Lily-Rose là aussi. Bon, ça va pas du tout. On entend gratter devant la porte et toujours c'est pas vrai. De nouvelles de Lily-Rose. Lily-Rose ne répond plus au téléphone. Elle veut pas, enfin elle sait même pas qu'elle veut pas me dire si elle est encore dans le dressing. C'est que là, je n'ai pas de réponse. On dirait que son téléphone est éteint. Fais-moi une bruit. Mais je sais que ça gratte devant la porte. Mais c'est pas Valentin, il a pas pu s'échapper, on l'a enfermé dans les toilettes. Du coup, c'est sûr que c'est l'homme araignée qui est de retour. Faut qu'on trouve une solution pour s'en débarrasser. Hein. Et cette fois, pour toujours. Bon, on fait quoi? Je sais pas, on l'a... Mais non, mais ça marche pas. Cette potion, elle marche pas. Faut qu'on trouve une solution pour s'en débarrasser et qu'il ne revienne plus surtout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une araignée, ça aime bien les mouches. Attends. Une araignée, ça aime bien les mouches. Mais là, t'as vu la taille de l'araignée? C'est pas des mouches qui mangent, à mon avis, c'est des... Des chats. Mais oui, mais tu rigoles, mais la dernière fois qu'il est venu, il a failli manger le chat. Enfin bref. C'était une catastrophe, ça, vous vous en doutez. Pour ceux qui ont vu la vidéo, c'était n'importe quoi. Bon, écoute, j'ai un plan. Déjà, si on arrive à l'enfermer dans cette pièce, c'est pas mal, ici? Ok. Bah oui, il faut qu'on arrive à l'enfermer ici. Bon, on va ouvrir la porte. Moi, je vais me cacher derrière la porte. Toi, tu l'attires. Le but, c'est qu'il aille là-bas, comme ça. Et ensuite, on ferme cette porte. Et après, on appelle des gens qui sont spécialistes dans les nuisibles, dans les araignées, dans les rats, dans les souris, ok? Comme ça, peut-être qu'eux, ils arriveront à s'en débarrasser. Vas-y. Ouais, danse comme ça, là-bas. Danse. Les amis, c'est parti. Regardez. Il est là. Il est là, c'est bon. Ah, c'est bon, regardez. Vite, enfuis-toi. Enfuis-toi. C'est bon. Mais la clé, elle est où la clé? Bah tu l'as pas pris. La clé de la porte.
Mais elle est pas sur la porte. Bah non. Oh, c'est pas possible. Attends. Et ça c'est... La clé. C'est Valentin qui s'est libéré. Attends, il est pas dedans. Non. Oh non. T'as entendu ? Il a réussi à s'échapper, c'est pas possible. Il a réussi à récupérer la clé. Ça tombe, il avait la clé dans la poche. Oh, on fait quoi, on fait quoi ? Oh là 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 là. Bon, peu importe. Reste devant la porte, faut pas qu'il s'échappe. Bon, les zen. Moi, je sais pas quoi faire. Je pense qu'on va essayer là. Ça va, le chat est là. Regardez-moi ça. Ça va ? Tu t'es pas fait embêter par l'homme araignée ? Tu t'es fait embêter ou pas ? Regardez comme il est perturbé, le chat. Il en peut plus. Il en peut plus de toutes ces histoires. Il y a trop de trucs qui se passent chez nous, ils sont jamais tranquilles. Bon, écoutez, les amis, nous en tout cas, on va rallumer toutes les lumières. Comme ça, on y verra clair ici. Ça va plus être une ambiance hantée. Allez. Oh, on va allumer tout ça et on va chercher Lily Rose. On va couper la vidéo pour chercher Lily Rose. On va se concentrer. Oh, ça va, le deuxième chat est ici. Allez, tu rentres. Ah oui, ça va. Ils vont tous les deux bien. Bon, maintenant il manque plus que Lily Rose et retrouver Valentin avant qu'il devienne totalement fou. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et surtout allez voir une autre vidéo sur notre chaîne, l'épisode 1 de l'homme araignée si vous l'avez pas vu, ou une autre vidéo, il y en a tellement. À la prochaine. Ciao.